Bonjour à tous, cette vidéo est une rediffusion d'un stream que j'ai retravaillé pour vous. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, je suis présent plusieurs fois par semaine et je présente une grande variété de jeux. Le lien est dans la description. Bonne vidéo. C'est vraiment un super cours. Oh là 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 là. Ah ouais, il veut qu'on monte tout là-haut, lui. Ok. Il y a quoi derrière? Toujours regarder ce qu'il y a derrière notre objectif avant d'aller devant, parce que s'il y a un piège, j'aimerais être au courant, quoi. Il n'y a rien, ok. Pas de souvenir ici, ça aurait pu, hein. Oh là 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 là, les urcs là, ils ont tout pollué, hein. Où est-ce qu'il faut aller après? C'est bien beau de se jeter là-dedans, mais où est-ce qu'il faut aller après? Là-bas, à droite, certainement. Ah ouais, les urcs qui pardonnent pas, hein. Les urcs ne pardonnent pas! Première fois que je meurs dans le let's play. J'ai pas eu l'occasion de. On reprend là, donc ça va. Ok. Il y en a d'autres là-bas. Où est-ce qu'il faut aller? Où est-ce qu'il faut aller? Ils sont enfermés, ceux-là. Il va falloir que j'aille chercher ce bidon là à tous les coups. Pour pouvoir grimper là-haut. Ça pour nos souvenirs ici, c'est le truc que je cherchais. Neko Corp, c'est eux qui traitaient les déchets. Des déchets venus des étages supérieurs ont débordé dans les taudis. Ils ont tenté de développer une bactérie pour tout dessoudre. Après la disparition des humains, la bactérie a muté. Elle a évolué et mangé bien davantage que les déchets. Et maintenant, on a les urks. Allons-y.
On a eu quasiment tous les souvenirs de la zone ici. Ok. Presque en haut. Il y a forcément un truc à faire avec ça. Je sais pas encore ce que c'est. Laissez-moi explorer un petit peu avant. Ouais, je crains le pire. Je vais pas me laisser voir ce qu'il y a en bas. Hein. Je ne sais pas si elle est là, petite plume, Alban. Mais il y en a combien qui arrivent à la seconde là-haut? Ah, je peux pas, je suis mort. Oh! Où est-ce qu'on peut se mettre à l'abri? On va remonter là-haut, on est d'accord. Non. Où est-ce que je peux sauter d'autre? Ici, je peux rien faire. Ici, je peux faire ça. Ici, là, je peux peut-être tenter de les faire tourner en bourrique pendant un temps, mais pendant un temps seulement. Et si je tente de me cacher? Casse-toi le peu de chantier! On sort de par tous les côtés, quoi.
Et ici, il place la radio sur cette antenne. Il doit y avoir un souvenir ici, frérot. Rejoins. J'ai raté un souvenir encore une fois, je sais pas où il est. Au moins qu'il soit un poil plus loin. Regarde cette vue, c'est très beau d'ici. Ça me revient, la ville. Elle devait servir d'abri. On dirait des étoiles, mais ce ne sont que des lumières qui jalonnent le toit hermétique qui scellent la ville. L'humanité a construit cette coquille pour se protéger contre l'extérieur, mais en contrepartie, plus personne ne peut sortir. L'extérieur fut dévasté, totalement aride, invivable et dangereux. Mais si c'est de là que tu viens, ça veut dire que c'est à nouveau possible. Et je n'avais pas seulement promis d'aller dans l'extérieur, j'avais aussi promis d'ouvrir la ville. Je ne comprends pas, toujours pas pourquoi certains souvenirs reviennent et d'autres pas. Mais je suis certain que c'est ma raison d'exister. Je dois ouvrir la ville. Allez, retournons en haut maintenant qu'on a branché la radio. On devrait pouvoir trouver de l'aide. Ben bon lurk à toi, Bibi, à Joanne. On profite un petit peu de la vue ou pas, les gens? Ça, quoi. On a tout fait ici, hein, dans les souvenirs. Hein. Ouais, on a eu tous les souvenirs. Il nous manque ces deux-là, mais on va les retrouver dans la ville principale. Là. C'est pratique, hein, ces petits sauts qui permettent de voyager de banlieue en banlieue. Putain, la ville est grande, quand même. Si tout est explorable, c'est beau. Hein. Franchement, si tout est explorable, c'est génial. On est retourné chez Momo. Les Taudis, partie 2. On a toujours ces deux souvenirs-là à trouver. Lui, il est sur un toit. Et lui, c'est une photo qui doit être dans un tapis à damier. Ok. Oh. Il y a quoi ici? Une partition, bien sûr. Regarde, une note. Petit extérieuriste, si tu fais ça, c'est que tu as encore envie. Excellent. J'ai amené du matériel au bar. Profitez de leur antenne. Viens m'y retrouver. J'ai bloqué la fenêtre, mais le code pour ouvrir est très simple, c'est... Hein ? Attention, il est sensible à la case. On se retrouve au bar, Momo. Ma hache, mes rares touches. Ils ont de l'humour sur ce jeu, quand même. Hein. Ils ont un sacré humour, hein, les devs. Hein.
Ils ont vraiment un sacré humour, je trouve. Hein. Ah, il y a un ballon de basket, il y a un panier à faire. Hein. Alors, si on le pousse tout droit. Peut-être que. Comme c'est marrant, on se retrouve vite pile face au bar. Mais c'est pas le bar qui m'intéresse. Avant d'aller au bar, j'aimerais bien finir ces deux souvenirs-là. Ça, c'est sur les toits, quelque part. Et ce truc à damier, là, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Il est pas là, le tapis à damier. Non, il est pas là, le tapis à damier. Alors, on a eu une première chance une fois, peut-être deuxième chance, là. Yes! Yes, succès déverrouillé. Bien sûr, je m'y attendais. Les cibles super gérées, on n'a pas. Hein. Tapis à damier. Bon, faut que je retourne sur les toits, clairement, parce que j'ai raté un truc. C'est pas haut, on dirait. Hein. On dirait que c'est pas haut, quand même. Hein. Oi, oi, oi. Excellent, il a appris à jouer. Incroyable! Information d'importance relative. Celle-ci a été composée par un algorithme de renom.